Professeur Kamel Djenouhad, bonjour. Bonjour. Alors, il fait froid, même très froid. Se vacciner contre la grippe saisonnière, puisque la campagne débute aujourd'hui, c'est important. C'est important, mais il faut faire la différence entre la vaccination anti-grippale et la vaccination anti-Covid. Vous savez très bien que la population qui doit bénéficier du vaccin anti-grippal n'est pas la même que celle qui bénéficie du vaccin anti-Covid. Vous savez très bien que pour le vaccin anti-grippal, on cible la population vulnérable, c'est-à-dire qui ont plus de 65 ans, ou bien les personnes qui ont des maladies chroniques. Mais justement, quand vous dites qu'il faut faire la différence entre la vaccination anti-grippale et la vaccination contre le Covid-19, quels sont les paramètres qu'il faut tenir, prendre en considération? C'est qu'aujourd'hui, la population cible n'est pas la même pour les deux? La population cible n'est pas la même. Mais elle peut être la même. Bien sûr. Les personnes vulnérables également. Pour la vaccination anti-Covid, c'est tout le monde qui est concerné. Par contre, pour le vaccin anti-grippal, comme je l'ai déjà dit, c'est une catégorie beaucoup plus par rapport aux sujets qui ont des maladies chroniques et des sujets âgés. Donc en clair, le vaccin anti-grippal ne peut pas se substituer au vaccin contre le Covid. Pas du tout. Vous savez très bien, le rôle du vaccin, c'est la prévention de la maladie. Donc si on fait le vaccin anti-grippal, c'est pour prévenir la grippe. Et si on fait le vaccin anti-Covid, c'est pour prévenir la survenue de la grippe. Par ailleurs, vous savez très bien que chez la même personne, s'il fait une infection Covid, en plus s'il fait une grippe pendant un temps, il y a beaucoup de chances que cette forme de Covid évolue vers une forme sévère. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a une forte résistance à la vaccination contre le Covid-19. Pourtant, il y a la disponibilité de vaccins, 13 millions de doses actuellement disponibles, et vous avez parallèlement une population qui s'est faite vacciner qui n'est pas très importante. 10 millions, dont 4,9 qui ont eu les deux doses. Comment l'expliquer? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette réticence? Cette réticence, c'est expliquée par deux points précis. Le premier point, il est spécifique de citoyens algériens. Il faut dire, il faut des études sociologiques, psychologiques. On est malheureusement, on l'a dit à notre reprise, très très influencé par les réseaux sociaux francophones. Et comme on l'a dit à notre reprise, c'est que ça constitue le principal lobby anti-vaccin. Et vous le savez très bien, même si on donne 100 informations par rapport au vaccin, s'il y a une seule qui est mauvaise, on ne partage que la mauvaise. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut dire que même dans les pays développés, on ne pourra jamais atteindre les 70, c'est 80, 90, s'il n'y a pas des instructions fermes de la part des autorités. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on l'a dit, si on n'oblige pas le pass obligatoire, c'est très très difficile d'atteindre l'objectif fixé avant la vaccination. Mais quand vous dites instruction ferme de la part des plus hautes autorités, faut-il recourir à l'obligation de la vaccination, professeur Djenouhad, notamment pour des corps sensibles? Le corps médical, dont 20% seulement sont vaccinés. Eh bien, c'est honteux. C'est honteux par rapport au corps médical, si on se compare par rapport à ce qui se passe partout dans le monde. Personnellement, vous le savez très bien, on a assisté à pas mal de cas, des personnes qui vont aux hôpitaux pour consultation non-Covid, ils reviennent, ils développent 3-4 jours après leur séjour, après la consultation du Covid. Et vous le savez très bien que le personnel soignant, il est en contact avec le malade, il n'a pas le droit de ne pas être vacciné. Vous le savez très bien que la vaccination diminue quand même le risque de survenue, de l'infection, diminue les formes graves, diminue un peu la contagiosité. Mais je pense que, je le dis, je le répète, c'est honteux d'avoir une population ou bien un corps soignant qui n'est vacciné qu'à 20%. Donc vous voyez très bien que l'influence du corps médical algérien, c'est beaucoup plus, il est influencé par des données non fondées scientifiquement. Et vous le savez pourtant, c'est des scientifiques eux-mêmes. Malheureusement, vous le savez très bien qu'ils ont beaucoup de lacunes en matière de vaccinologie. La vaccination n'a occupé que 30 à 40 minutes de leur cursus de 7 ans. Donc, ils ne maîtrisent pas du tout la vaccination. Et malheureusement, ils ne sont influencés que par les mauvaises chances. Ça, c'est le problème. Donc, je pense que j'ai essayé de résumer au moins les causes de cette réticence. Mais faut-il recourir à l'obligation de la vaccination? Vous n'avez pas répondu à ma question pour certains corps, puisqu'on a vu que le corps médical à travers le monde a été contraint de se faire vacciner.
Je prends l'exemple de... Vous parlez des régions francophones et des médias francophones. Vous avez par exemple la France. Il y a l'obligation pour le corps médical de se faire vacciner. D'ailleurs... Et ceux qui ont refusé, ils ont été licenciés. On préfère utiliser le terme de passe sanitaire au lieu de l'obligation. Pourquoi passe sanitaire? Vous êtes médecin, vous exercez dans une structure sanitaire. Si vous ne faites pas le vaccin, je ne vous oblige pas, mais si vous ne faites pas le vaccin, vous n'avez qu'à quitter la structure et exercer ailleurs. C'est ce qui a été appliqué partout dans le monde. On préfère le terme de passe sanitaire. C'est entre parenthèses, c'est l'obligation, sans le dire. Donc je pense qu'il n'y a pas uniquement que le corps médical. Il y a des endroits à faire. Il y a l'université. Et vous le savez très bien que la dernière vague. Qu'est en train de vivre l'Angleterre. Je donne un petit exemple de la Grande-Bretagne. Vous savez très bien que la fac a démarré par les universitaires, les lycéens et les écoliers. Donc lorsqu'ils ont fait les statistiques, le démarrage de la vague, c'était cette population. Et juste après, un décalage de 15-20 jours, ces étudiants ont contaminé leurs parents. Et puis c'est les adultes qui ont pris le relais. D'ailleurs, c'est pour cette raison que il y a pas mal de pays maintenant dans le monde qui voient que essayer d'élargir la population ciblée par le vaccin, pourquoi ne pas aller pour la catégorie d'âge 18-12, et on voit même des pays comme la Chine qui vont commencer la vaccination à partir de 3 ans. Parce qu'en fin de compte, les enfants sont porteurs et maintenant les données ont changé, ils peuvent transmettre et c'est eux qui transmettent l'infection. Alors, face à cette réticence, aujourd'hui, il faut instituer le pass sanitaire, c'est votre déclaration à l'instant, c'est-à-dire l'élargir à tous les secteurs, impliquer impérativement tous les secteurs, que ce soit au niveau du commerce, au niveau de l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la santé, tous les secteurs sont concernés aujourd'hui par la mise en œuvre de ce pass sanitaire. Il faut une mutualisation de tous les moyens au niveau gouvernemental, une adhésion au niveau gouvernemental. Entièrement, mais vous le savez très bien, il ne faut pas cibler uniquement le secteur public. Moi, je parle même des cafés, des restaurants, c'est des endroits fermés. C'est le commerce. Exactement, c'est le commerce. J'ai dit le donc, commerce. Là où il y a les endroits fermés, normalement, on n'a pas le droit d'y accéder. La culture, le théâtre, le sport, puisque exactement, maintenant, pour aller assister au match de football, il faut le pass sanitaire. C'est une bonne chose et je salue d'ailleurs la Fédération algérienne de football pour cette décision qui a été prise en accord avec le conseil scientifique du ministère de la Santé. Et je souhaite, Inch'Allah, qu'il y aura au moins un effet boule de neige de contagion par rapport aux autres secteurs. Mais comment s'assurer aussi parallèlement, puisque dans certains pays, ils ont été confrontés à ce type de difficultés, comment s'assurer de la véracité du pass sanitaire? Comment éviter le trafic des passes sanitaires? Vous savez très bien, le trafic, on ne l'évite pas, même dans les pays développés. Moi, ils ont été confrontés à ce type de situation. Non, j'ai été en contact avec des amis qui vivent à l'étranger, qui étaient un peu réticents. Ils payent 200 dollars, ou bien 200 euros, pour que l'infirmier fait semblant qu'il leur a injecté le vaccin. Donc, mais le problème qui va se poser maintenant, le nombre de trafic, il est minime par rapport à la majorité. On doit avoir une vision globale. Si on exige le pass sanitaire, il y aura 2-3% qui vont trafiquer. Ça ne va pas retentir sur l'efficacité de la couverture vaccinale. Alors, le premier indicateur de la resurgence de la contamination commence aujourd'hui à être perceptible puisqu'on voit quelque peu la hausse du nombre de contaminations. On le voit depuis 2 semaines, quelque chose comme ça. Il y a pas mal de gens qui sont en train de parler de la quatrième vague, il y a d'autres qui disent non, c'est pas la quatrième vague, mais le fait est là, le constat il est là. On est passé de 70 à 80 cas, nouveaux cas par jour, et maintenant on est entre 150 et 200. Et je pense certainement que ce chiffre va continuer à augmenter. Avec le froid, avec les espaces fermés, et les gens ne portent pas les masques dans les espaces fermés. C'est vrai qu'il y a un relâchement perceptible. Exactement. Mais est-ce que vous pouvez juste répéter la question? Les premiers indicateurs. Les premiers indicateurs, exactement. Maintenant, on peut parler de quatrième vague. Elle est là. Mais le plus important maintenant, c'est pas la dénomination. On est en train de vivre dans une conjoncture où le nombre de nouveaux cas augmente. Donc, quel sera l'aspect et l'ampleur de cette vague?
si elle va s'arrêter entre 300 et 400, c'est maîtrisable. Et on n'aura pas cet afflux massif vers les structures hospitalières et on peut le maîtriser. Par contre, si ça dépasse les 1000, j'en suis presque certain que on sera un peu dépassé comme on l'a vécu au mois de juillet, au mois d'août. D'ailleurs, ce qui m'étonne un peu, et lorsqu'on rencontre les gens, à chaque fois ils me disent, voilà, est-ce qu'elle va venir? La vague ne vient pas, on la ramène. C'est très très important. C'est le comportement de citoyens qui ramènent la vague. L'ampleur de la vague, elle est déterminée par le comportement de citoyens. Et lorsque je parle de comportement de citoyens, c'est par rapport à deux mesures. Première mesure, c'est pas la peine de leur dire lavage des mains dans une saison un peu froide, mais beaucoup plus le port de masque. Et le deuxième point qui est primordial, c'est la vaccination massive. Si on veut vraiment atténuer l'ampleur ou la violence de la vague qu'elle est en train d'arriver. Alors on a vu, la troisième vague a été extrêmement meurtrière, qu'on a vécu pendant le mois de juillet et le mois d'août. On parle de nombre de nouveaux cas qui sont en augmentation constante, puisque maintenant ils oscillent entre les 150, 160 et ils vont atteindre bientôt les 200. Mais les dangers, c'est les variants. On a vu le Delta, ce qu'il a généré comme dégâts. Mais aujourd'hui, on parle d'un nouveau variant, le Omicron. C'est un véritable danger, puisqu'en 24 heures, on peut disparaître. Sans signe, sans rien. C'est ce qu'ils disent. Non. Ce qu'il faut savoir, je reviens un peu sur ce variant Omicron, vous savez très bien, c'est le premier variant. Il a été déclaré le 24. Par l'OMS. L'Afrique du Sud. Et juste après, deux jours après, il y avait une réunion urgente par l'OMS et pour le déclarer d'emblée qu'il est déjà un variant très meurtrier. Préoccupant. Très préoccupant. Donc sur le plan meurtrier, pas encore. Donc, qu'est-ce qu'on connaît de ce variant? Ce qu'il faut savoir, c'est que vous le savez très bien qu'en Afrique du Sud, on est dans la saison estivale. C'est l'été. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'Afrique du Sud a reconnu 10 semaines d'accalmie. Et subitement, on voit les chiffres augmentent de 280 à 3200. Donc, dans un intervalle très très court, on voit cette augmentation exponentielle. Donc, les autorités de l'Afrique du Sud ont déclaré cela à l'OMS. Le premier point qu'on peut tirer par rapport à ce variant, vous le savez très bien, c'est le premier variant qui présente 50 mutations. Et parmi les 50 mutations, 32 touchent la protéine Spike. Et vous le savez très bien que lors de la vaccination, on cible une partie de la protéine Spike qui s'appelle la RBD. Et on a 10 mutations au niveau de la RBD. Chose qui n'a jamais été vue à ce jour. Donc, il est caractérisé par une contagiosité très élevée. Et puisque ça touche cette RBD, on attend les résultats qui vont être normalement donnés d'ici 15 jours par rapport à la résistance de ce variant, à l'immunité acquise, que ce soit par le vaccin ou par l'immunité naturelle. Moi, en tant qu'immunologiste, je m'attends certainement à une baisse de l'efficacité, mais j'espère, Inch'Allah, que cette baisse, on ne va pas tomber à une efficacité moins de 52%. Mais s'il touche un peu la molécule Spike, qu'est-ce que cela veut dire quelque part qu'il fragilise le système immunitaire davantage? Pas du tout, ça ne fragilise pas le système immunitaire, mais ça dribble, ça échappe à l'immunité qu'on a acquis. C'est ça le grand problème et le grand danger. Parce que vous savez, on a vécu avec le variant sud-africain, il résistait à la vaccination, mais il ne se propageait pas vite. Puis juste après, il y avait le variant Delta, il se propage très vite. Mais il avait une résistance modérée à la vaccination. On craint par rapport à ce variant, est-ce qu'il va se propager? Pour la propagation très vite, c'est acquis, c'est bon. Mais est-ce qu'il va résister au vaccin? C'est ça le grand souci et le grand challenge de l'avenir, des données scientifiques par rapport à ce variant. Si je peux le dire, il y a même la communauté internationale qui salue l'Afrique du Sud d'avoir donné l'information avec transparence et au temps opportun. Vous le savez très bien. Ils ont caractérisé le virus, ils l'ont diagnostiqué, ils ont même caractérisé, maintenant ils ont donné les symptômes de ce variant. Ça, c'est vrai, il y a un petit changement, c'est beaucoup plus les maux de tête avec une faiblesse qui n'a pas été constatée dans les autres variants, et ça touche beaucoup plus les hommes qui ont moins de 40 ans. C'est entre 20 et 40 ans,
C'est vrai que la communauté médicale d'Afrique du Sud, elle est en train de se rattraper par rapport aux conséquences économiques qui sont en train de dire c'est un variant qui n'est pas méchant sur le plan pathogénique. Pathogénique, ce n'est pas un variant meurtrier, mais vous le savez très bien, par rapport au nombre des décès, on a toujours un décalage par rapport au nombre de cas. On doit patienter quelques jours, deux semaines pour voir est-ce que vraiment il est meurtrier. Alors, professeur Kamel Djenouhad, moi je voudrais revenir bien sûr avec vous sur ce nouveau variant qui vient qu'on vient de découvrir au niveau de l'Afrique du Sud, l'Omicron. Quel sera le devenir de ce variant dans le monde aujourd'hui? Est-ce qu'on peut considérer, avec l'alerte qui a été lancée par l'OMS, ça pourrait être ravageur? C'est une question très pertinente. On peut avoir deux éventualités. La première éventualité, vous le savez très bien, avec l'honnêteté scientifique des autorités de l'Afrique du Sud, on peut éventuellement cerner ces pays. La preuve, vous êtes en train de le voir et de le constater, qu'il y a pas mal de pays qui ont d'emblée annulé le transport aérien par rapport à ces pays de l'Afrique du Sud. Donc, on peut éventuellement le cerner. Deuxième éventualité, si le virus s'est déjà propagé à travers plusieurs pays, ce qu'on s'attend, c'est qu'en 2022, ça sera fort probablement la pandémie de l'Omicron. Donc en 2021, c'était le Alpha qui a donné la scène. Et en 2020, c'est l'Alpha. En 2021, c'est le Delta. Et moi, je pense qu'en 2022, si la situation va échapper aux différentes autorités, c'est le Omicron qui va, avec le temps, écraser le Delta. Mais j'aimerais bien revenir sur un point très important. On est en train de parler de ce Omicron. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les mêmes mesures préventives et surtout, le danger. Il y a un danger, un danger à long terme et un danger à court terme. Le danger à court terme en Algérie, c'est toujours le Delta. Et la cible principale du Delta, vous le savez très bien, c'est les personnes non immunisées, non vaccinées, qui n'ont pas fait l'infection dans les trois derniers. Mais est-ce que par rapport à ce Omicron, puisque dans certains pays on commence à prendre un certain nombre de dispositions, c'est-à-dire un contrôle plus rigoureux sur la question du transport aérien, il faudrait prendre aussi des mesures, parce qu'au début de la pandémie on pensait qu'on ne serait pas touché, mais on l'a été. Avec un cas importé de France, avec le couple Ablida, tout le pays a été confiné et contaminé. Je pense que les autorités ont déjà pris les mesures nécessaires pour prévenir que ces variants puissent pénétrer dans notre pays. Ce qu'il faut savoir, le problème qui peut se poser par rapport aux gens, on peut parfois le contracter dans l'avion. D'ailleurs, il y a quelques pays qui sont en train de demander à leurs citoyens, lorsqu'ils rentrent, de faire une PCR le lendemain. Il y a eu une fois récemment en Afrique du Sud. Exactement. Où les Algériens étaient nombreux à être déplacés là-bas. Est-ce qu'il faudrait les contrôler? Demander à ce qu'ils, par exemple, ils aillent à l'Institut Pasteur pour faire des prélèvements, pour éviter, bien sûr, qu'ils ne fassent rentrer ce Omicron. C'est la semaine dernière, la fois. La semaine dernière, vous le savez très bien, on utilise le test antigénique, mais je pense qu'il vaut mieux aller aussi vers la PCR. La PCR, elle peut quand même détecter dès la rentrée au niveau des aéroports. Alors, sur la question de la vaccination et son efficacité aujourd'hui, beaucoup racontent que ce Omicron serait extrêmement résistant aux différents vaccins, à telle enseigne que certains laboratoires affirment aujourd'hui qu'ils vont découvrir ou qu'ils vont bientôt découvrir des vaccins résistants à l'Omicron. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question, professeur Kamel Djenouhad? Deux ans déjà, nous sommes dans cette tourmente, efficacité, pas efficacité, mutant, pas mutant, delta, etc. On est carrément dans la science-fiction. Eh bien, vous savez très bien que lorsqu'on vaccine, d'ailleurs, il y a des personnes qui veulent savoir est-ce que vraiment ils ont répondu, est-ce qu'ils ont une immunité. Ce n'est pas recommandé ni par le ministère, c'est par l'OMS, mais on demande toujours à ces personnes de faire une sérologie anti-RBD, et non pas une sérologie classique, pour voir est-ce que vraiment il est protégé. Malheureusement, comme je viens de le dire, ces 10 mutations, ils ont touché cette protéine RBD. Donc on s'attend à ce que les vaccins disponibles, que l'efficacité des vaccins disponibles baisse un peu par rapport, vous le savez, 10 mutations au niveau d'une protéine, ça peut changer quand même un peu la forme, et éventuellement, cette protéine peut ne pas être reconnue par les anticorps. Néanmoins, toujours par rapport aux données qui parviennent de l'Afrique du Sud, vous savez très bien qu'en Afrique du Sud, on n'a que 24% de personnes vaccinées.
Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que l'appel a été lancé à la communauté internationale de, que ça ne sert à rien de vacciner votre population et ne pas vacciner les Africains. C'est le continent le moins vacciné dans le monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce que les médecins du sud-africains sont en train de rapporter, c'est que 65% ou plus des malades qui viennent d'être admis au niveau des services de réanimation ne sont pas admis, ne sont pas vaccinés, et le reste, il n'a reçu qu'une seule dose. Donc d'ailleurs, c'est pour cette raison que même les personnes vaccinées qui sont en train de faire l'infection, ils font toujours des formes très bien, immaîtrisables. Mais par rapport à ces vaccins, les vaccins qui ont été admis en Algérie sont résistants à tous les différents variants. Certains considèrent qu'ils sont, par exemple, vous avez le vaccin russe, le Sputnik V, vous avez par exemple le vaccin chinois, ça, beaucoup disent qu'ils sont extrêmement résistants. Non, pas différent. Vous savez très bien que le vaccin russe, c'est le même principe que Johnson & Johnson et le même principe que l'AstraZeneca. Donc c'est un vaccin très efficace, on l'a dit à l'entreprise. Pour le chinois, les Chinois ont opté pour ce type de vaccin parce qu'il est plus classique. Et on connaît très bien ses effets secondaires, mais l'efficacité, elle est là. Il n'y a pas une étude qui a été publiée qui a touché 15 millions de sujets vaccinés par le SARS, par le vaccin chinois. C'est une étude chinoise qui a montré qu'il est très très efficace contre la prévention des formes graves et des décès. Mais vous avez parmi la population des gens qui vous disent à quoi ça sert de se faire vacciner si on peut contracter quand même le virus. À quoi ça sert finalement? Faire la différence entre contracter le virus et avoir une forme grave, voire le décès de patient. C'est le même principe que pour le vaccin anti-grippe. C'est le même principe, c'est presque le même. C'est-à-dire on évite des formes graves. D'ailleurs, même pour le vaccin BCG, anti-tuberculose, c'est beaucoup plus pour éviter les formes septicémiques, les formes ménagées. Il n'y a aucun vaccin qui protège. Vous savez très bien que même le concept de l'immunité collective a changé avec le nouveau variant Delta. Au début, l'objectif principal, c'était 70% pour stopper et arrêter la transmission et prévenir la maladie. Maintenant, ce pourcentage a changé, on est à 90%, jusqu'à voir 95%. Et maintenant, l'objectif, ce n'est plus arrêter la transmission ou ne pas tomber malade, c'est prévenir les formes graves, l'hospitalisation et les décès. Est-ce qu'on peut considérer que le front anti-vaccination dans notre pays est très dur? En fait, ce n'est pas vraiment un front anti-vaccination. C'est un lobby anti-vaccination. Malheureusement, c'est la peur des gens. Et les gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur faut. On a essayé de faire à maintes reprises des séances de sensibilisation. Ce qu'il faut dire, c'est que la campagne de vaccination n'a pas atteint ses objectifs, mais elle n'a pas échoué. Parce que vous savez très bien que les personnes qui ont plus de 18 ans en Algérie, on est dans les 22 millions, quelque chose comme ça. Donc parmi les 22 millions, si on a 13 millions de vaccinés, on a dépassé un peu les 50%, mais ce n'est pas l'objectif souhaité. Et avec le nouveau variant Delta, maintenant, on ne parle plus de 70, il faut aller vers vacciner le maximum de la population. Mais la réticence à la vaccination, est-ce qu'elle peut se justifier au fait aussi que les professionnels de la santé eux-mêmes refusent la vaccination et parfois même dissuadent certains malades de se faire vacciner? Parce qu'un médecin, c'est lui qui donne l'exemple. Eh bien, malheureusement, vous avez touché un point très très sensible. C'est la cause de cette réticence, c'est cette mentalité, ce comportement de nos confrères. Vous savez très bien que même dans des centres vaccinateurs, le médecin vaccinateur, lorsque le patient lui demande « Est-ce que j'aimerais bien avoir votre avis par rapport au vaccin ?»« Est-ce que vous êtes vacciné ?» Dit non. Non, il lui dit « Moi, je ne suis pas vacciné, je n'ai pas vacciné les enfants. » Ça ne peut que faire fuir les personnes. Je pense qu'on n'a pas le droit de dire cela, c'est anti-éthique. Ça n'a rien à voir avec la déontologie médicale. Et vous savez très bien, c'est au nord. Pour ce métier de médecine, c'est un métier de nord. C'est pour sauver des vies humaines. Et non, sinon, ils doivent assumer les conséquences lorsqu'ils voient les membres de leur famille, leurs voisins, leurs amis contracter des formes graves, voire même le décès. Alors, en cas, bien sûr, de resurgence d'une quatrième vague, tout le monde en parle aujourd'hui, elle pourrait être bien présente avec l'augmentation du nombre de contaminations. Est-ce qu'on a tiré les enseignements de la troisième vague pour être suffisamment prêt ou on n'est jamais assez prêt?
Je pense que sur le plan préparation, on atterrit quand même pas mal de leçons. Disponibilité, par exemple, des respirateurs, si vous vous de rappelez, l'oxygène, le problème principal, la pression sur l'oxygène. Exactement, c'est beaucoup plus la pression par rapport aux oxygènes. Et on voit très bien que la plupart des structures hospitalières, ils sont dotés maintenant de concentrateurs. Il y a même qui sont allés vers le générateur d'oxygène. Il y a beaucoup de donateurs qui ont, je salue quand même leur geste de bienfaisance par rapport à ce qu'ils sont en train de faire pour la santé de l'Algérien. Je pense qu'on est plus ou moins préparé par rapport à la troisième vague, mais pour vous dire qu'on est prêt à 100%, c'est très très difficile, parce qu'en fin de compte, c'est directement tributaire ou dépendant du nombre de malades qui vont nécessiter l'oxygène. Alors, élargir la vaccination aux 11-17 ans, c'est important, parce qu'on dit qu'en université, vous avez un nombre important d'étudiants qui ne sont pas vaccinés, seulement 2% sur une communauté équivalente à 1 600 000 étudiants, mais vous avez parfois des étudiants qui ont 17 ans. Ils n'ont pas le droit de se faire vacciner. Je pense que le conseil scientifique, il a entendu ce sujet, il va trancher dans quelques jours. Moi, personnellement, ça reste mon avis personnel. Aux États-Unis, on vaccine les 5-11 ans. En Chine, c'est les 3 ans. Donc je pense que tout le monde a compris qu'en fait, quand on se fait vacciner à partir de 18 ans et rester le virus circuler chez les personnes qui ont moins de 18 ans, ça ne sert à rien. Donc moi, personnellement, je ne suis pas pour uniquement 12-17, mais pour la vaccination à partir de 6 ans. Puisqu'on se fait vacciner déjà à la naissance. Vous avez cette question de l'auditeur qui nous dit, ou c'est plutôt un reproche, s'il vous plaît, faites la différence entre un variant qui a été identifié en Afrique du Sud, cela ne veut pas dire qu'il provient de l'Afrique du Sud. Arrêtez de stigmatiser ce pays. Il n'a pas tort, parce qu'en fait, compte, le premier cas qui a été détecté et diagnostiqué en Afrique du Sud, c'est un malade qui est de Botswana. Donc l'Afrique du Sud, ils sont un peu victimes de leur avancée par rapport aux techniques de séquençage. C'est eux qui séquencent beaucoup, et fort probablement d'ailleurs ce que la communauté sud-africaine est en train de dire, on l'a diagnostiqué, mais ça ne veut pas dire qu'il provient de chez nous. Je vous cite aussi le cas de la Belgique. Ils veulent incriminer aussi l'Égypte. C'est un patient qui vient de l'Égypte, ça fait 11 jours, puis il a commencé la symptomatologie. Scientifiquement, c'est très très difficile de gober ce type d'information, et pourquoi ils ne disent pas qu'il a chopé d'emblée en Belgique. On n'a pas vu encore des périodes de latence de 11 jours. Alors ne faut-il pas aussi anticiper, prendre les choses au sérieux de telle sorte à éviter bien sûr une large contamination de la population et que ce variant ne puisse pénétrer notre pays, professeur Djenouhat, autre question de l'auditeur? Eh bien voilà, je vais revenir à ce que j'ai déjà dit. Vous savez très bien, les mesures préventives sont les mêmes. Donc si on porte les bavettes, on se vaccine, on aura une vaccination massive, quel que soit le variant, on est protégé. Alors, vous avez aussi, par exemple, beaucoup d'échanges avec des pays africains, des matchs de football aussi qui vont se tenir dans certains pays. Ne faudrait-il pas aussi être extrêmement vigilant sur ces questions-là aujourd'hui, professeur Djenouhat? Je pense qu'il faut aller vers les décisions qui ont été prises à l'échelle internationale. D'emblée, essayer d'éviter de se déplacer vers les pays de l'Afrique australe. Donc, les 6 ou les 10 pays, la Namibie, le Mozambique, Tanzanie, l'Afrique du Sud, Botswana. Donc, essayer de se déplacer vers ces pays. Alors, quelques déclarations à l'échelle internationale émanant de certains scientifiques affirment que des cas de coronavirus ont été détectés chez l'espèce animale féline, entre autres les chats. Il y a de quoi avoir peur. Doit-on faire attention si l'on possède un chat chez soi, ou bien s'agit-il juste de déclarations alarmistes et fantaisistes, puisqu'il s'agit, il ne s'agit pas de 4 ou 5 cas rapportés à travers le monde? Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, puisqu'on a tous des chats, j'en ai. Vous savez très bien que lorsqu'on a un chat domestique, un animal domestique, que ce soit un chat, un chien, n'importe quel animal, et lorsqu'on est infecté, soyez certain, si vous faites une PCR à cet animal, il est contaminé. Elle va sortir positive. Mais il ne va pas faire de symptômes, le premier point, et au plus de ça, vous le savez très bien, le risque des animaux, c'est lorsqu'ils vivent en communauté, on a le risque d'avoir un mutant qui provient des animaux. Mais pour les animaux domestiques, il n'y a aucun risque. Alors, j'ai eu un Covid il y a 3 mois, mais pour me faire vacciner, une amie m'a recommandé de faire un test particulier, je crois le dosage de la protéine S, pour savoir si je suis toujours immunisée.
Il faut 3 mois juste après une première une contamination, 4 mois, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Il faut un minimum de 3 mois. On dit un minimum de 3 mois. Le test ne sert à rien. Sachez une chose, même si vous êtes immunisé, au lieu d'avoir 100 unités d'anticorps, vous allez avoir 200, 250 unités d'anticorps. Donc le vaccin ne peut que ramener ces éléments positifs pour renforcer ce qui a été déjà acquis. Alors la 3e dose, elle est recommandée aujourd'hui? Personnellement, oui, il faut revenir un peu à l'historique. Moi, personnellement, au début, je pensais et je souhaitais qu'on n'ira pas vers la vaccination. Je me suis dit, Inch'Allah, on aura la disparition de la pandémie avant la vaccination. Et puis, les firmes pharmaceutiques, ils ont commencé à travailler sur l'élaboration de ce vaccin. Et ils ont constaté que la première dose ne donnait que 25 à 30% d'efficacité. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils sont allés vers la 2e dose. Et la plupart des vaccins, maintenant, recommandent les 2 doses. Mais il y avait toujours une question de suspense par rapport à la durée de cette immunité. Et en fin de compte, les dernières études ont montré qu'à partir de 6 mois, effectivement, on assiste à une baisse de l'immunité acquise par le vaccin ou par l'infection. Et moi, je suis partant et je suis pour. Et d'ailleurs, c'est une confidence entre nous. Je me suis fait vacciner pour la 3e dose avant l'inscription, 2 mois avant l'inscription du ministère, parce que j'ai vu que mon immunité était basse. Eh bien, c'est plus une confidence, vous l'avez dit publiquement aujourd'hui, professeur Kamel Djennouhad. Alors, je voudrais revenir avec vous aujourd'hui. Par exemple, si on est vacciné avec l'AstraZeneca et l'AstraZeneca n'est plus disponible, est-ce qu'on peut avoir une 3e dose d'un autre vaccin? Oui, bien sûr. On a discuté ce sujet, ça a été discuté à l'échelle internationale et au niveau local, donc le conseil scientifique élargi au niveau du ministère, et l'interchangeabilité entre les vaccins, elle est autorisée. Au elle n'est pas évitée, elle ne fait pas peur, l'interchangeabilité. Pas du tout, au contraire, elle peut avoir une immunité un peu plus efficace par rapport à ce qui, si on entre le même vaccin qu'on a utilisé pour les 2 premières doses. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, professeur Djennouhad, aujourd'hui, par exemple, on reproche à la population de ne pas s'être vaccinée, d'être réticente à la vaccination, puisqu'il faut le dire, les chiffres sont là, ils l'attestent dans le corps, par exemple, médical, seuls 20% se sont fait vacciner, à savoir les 2 doses, dans le corps de l'éducation ou des enseignants, vous avez seulement 20%, même principe pour la formation professionnelle, on a donné un autre chiffre par rapport à la communauté universitaire des étudiants, seulement 2%, alors qu'il y a là, au ce niveau-là, une forte concentration de la population étudiantine, équivalente à 1 600 000 étudiants. J'espère que je ne me trompe pas sur le chiffre. Vous avez aussi, est-ce qu'on peut considérer que aussi les données qui sont aujourd'hui émises par certains grands professeurs à travers le monde, notamment des prix Nobel, qui c'est-à-dire déconseillent la vaccination, influe sur le comportement des personnes? Eh bien, vous savez très bien que cette personne, elle a été même très critiquée par ses pairs en France. Et ils ont tiré la conclusion qu'il est probablement en train de faire une démence. Donc, c'est des déclarations qui n'ont rien, qui ne sont pas fondées scientifiquement et qui n'ont rien à voir ni avec l'immunologie, ni avec la virologie. Quelle est la chose qui a mais quand vous avez un prix Nobel qui dit ne vous faites pas vacciner. C'est un prix Nobel dans le vaccin VIH. Donc au début, déjà, si vous le savez, il a essayé de dire que ce virus il a été produit par un gène du VIH, ça n'a aucun sens. C'est avéré que ça, scientifiquement, ça n'avait aucun sens. Et maintenant, il est en train à chaque fois de faire des déclarations futuristes qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas de base scientifique. Alors, je voudrais quand même vous poser cette question qui me paraît très intéressante. J'ai contracté le virus au mois de juillet, ça s'est passé, alhamdoulilah. Est-ce que le vaccin est nécessaire après 4 mois? Ne faudrait-il pas compter plutôt sur son immunité personnelle pour se protéger contre les différents variants? C'est vrai, on a tous tendance à penser qu'on est tous protégés. Non, on est protégés quand même par une infection naturelle. Mais le problème qui se pose, c'est la même question. Mais on ne peut pas l'être tout le temps, ça dépend. Déjà, on a constaté qu'il y a quand même 10% qui ne répondent pas, qui ne sollicitent pas le système immunitaire, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'on ne connaît pas aussi la durée de l'immunité naturelle. C'est pour ça qu'on préconise que les personnes qui ont déjà fait l'infection naturelle de
d'avoir ou de recourir au vaccin minimum 3 mois après l'infection naturelle. Alors il y a une question que je voudrais vous poser. Est-ce qu'il faudrait apprendre aujourd'hui à vivre avec cette menace sanitaire, avec ce Covid, avec ces différents variants, alpha, beta, delta? On a l'impression d'être vraiment dans un film de science-fiction. Aujourd'hui, on nous parle encore d'un autre variant, le Omicron. Est-ce qu'il va falloir apprendre à vivre avec ce virus? Je vous remercie pour cette question très très pertinente. Maintenant, la question elle est claire. On doit vivre avec ce virus, mais faire la différence, on va vivre avec un ennemi et non pas avec un ami. Donc il faut toujours avoir peur tout le temps. Quoi. Avoir peur, et apparemment on va continuer à vivre avec lui quelques années. Professeur Kamel Jenouhat, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée, bien sûr, et bonne santé. Pour vous protéger, portez vos masques. Merci beaucoup.